Et Jean-Robert Philippe, c'est une situation qui a retenu attention. République dominicaine, il a retenu attention. Panama, il a retenu attention. Costa Rica, les États-Unis et l'autre pays encore. Et Konya, et président Ivan Duque, dans un point de presse, et abordé question ça, Jean-Robert Philippe. Effectivement, c'est tout pays dans la zone non net, concerné avec la question migrants qui passent dans la zone non pour y aller aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs milliers qui prennent position, ou bien qui même bloquent, dans la Nord-Colombie, par exemple, côté, il y a tant d'occasions, il y a tant un bateau qui pour traverser le golfe là pour mettre dans la zone côté et forêt d'Ariane et pour côté voyager. Donc, c'est comme ça que le président colombien, Ivan Duque, lui-même, lui expliquait que ce n'est pas un problème par nous, mais le quoi que son appel, il lançait que tout le monde doit mettre main à la pâte pour résoudre le problème immigrés, surtout haïtiens, qui prennent direction les États-Unis. Colombia a tenido más que un corredor, a tenido una cooperación en muchas de estas materias con Panamá. Le président colombien Ivan Duque, qui a visité New York, plaidait en faveur d'une solution hémisphérique sur la crise d'immigration. D'après le président, le problème migratoire, ce n'est pas un problème Panama-Colombie seulement, mais un problème hémisphérique. Le président colombien Ivan Duque a répondu à une question journaliste, tant que Célia Mendoza, un journaliste, section Panayol, la Voix d'Amérique. La situation que se está viviendo con los migrantes haïtiens est beaucoup plus grande. Estamos hablando de un país qui vient de un désastre naturel comme un terremoto. Je pense que ce n'est pas une question qui concerne la Colombie seulement ou bien Panama. La situation où les gens vivent avec les immigrants haïtiens, par exemple, c'est un bagage qui est plus longtemps. On a parlé d'un pays qui est frappé à un désastre naturel. Problème pandémie, un système économique grave, un niveau chômage élevé pour citer ça seulement. Jean, pour nous résoudre cette question, c'est pour nous inviter tous les pays dans la région, une façon pour tout hémisphère à passer à l'action de manière qui fait sens. Agence nouvelle de la presse rapporté quantité de migrants haïtiens qui ont mis des têtes pour les États-Unis et qui bloquaient temporairement dans l'île Nicocli dans la Colombie, dépassé 15 000 d'après un officiel américain qui référait à un rapport de l'Organisation des droits humains. Immigrants haïtiens pour plus fort, aptent un bateau qui a traversé dans le golfe ou à bas pour déposer dans un point côté et commencer le voyage dans la forêt d'Ariane Gapla avant d'arriver dans Panama. Le président Ivan Duque a quatre possibilités pour établir un corridor humanitaire pour tous les immigrants. Colombia a en ce moment une politique de statut de protection temporale con los ciudadanos venezolanos que estaban en Colombie. Colombie a un statut de protection temporaire pour les citoyens vénézuéliens qui déjà vivent dans Colombie. Dans ce moment, on a cherché une solution hémisphérique pour la situation qui est donc haïtienne. Cependant, on parle clair sur la question. Les migrants haïtiens qui sont frontières Colombie-Panama ne sont pas venus pour être ni en Colombie ni en Panama. L'objectif, c'est aller aux États-Unis. It is a very significant issue for both countries. It's a very significant issue for the Western Hemisphere. L'ambassadeur américain Ken Salazar, qui a parlé sur la question de l'immigration, après une rencontre que l'État Anthony Blinken a fait avec le président Manuel López Obrador, reconnaît que c'est un problème sérieux pour deux pays en parlant de Mexique et des États-Unis. C'est une question importante pour l'hémisphère occidental. L'immigrant a pu quitter le pays à cause de désespoir. Nous constatons des espoirs pandémiques créés dans plusieurs pays, changement climatique là avec les réfugiés libanais. Sorti 19 septembre pour 3 octobre, États-Unis déportés plus passé 7 000 immigrants haïtiens en Haïti qui tapent chercher à entrer dans le pays sans document légal, d'après le département de sécurité intérieure. Pendant ce temps, les États-Unis continuent à travailler avec les pays dans l'hémisphère occidental là pour une solution commune pour diminuer la quantité d'immigrants qui ont été faits dans la direction nord. Aux États-Unis. Jean-Robert Philippe, Washington. Et donc, Jean-Robert Philippe, Takou, en pile acteur Abdil, son problème qui passe seulement pour le Mexique, problème et Saint-Domingue, son problème tout hémisphère, là, Jean-Robert. Définitivement, c'est pas. Et puis, solution, ce n'est pas pour demain. Autorités américaines ont déjà préparé, ont déjà pour dans qui mesure qu'on va bloquer. Donc, ils voulaient faire ça une sorte de coalition. Tout pays dans la région, t'as mis ensemble pour commencer à bloquer
immigrants yo depuis dans source là depuis côté sorti pour empêcher arriver plus loin dans jusqu'à ce que tu arrives au Mexique pour rentrer en Amérique du Nord. Donc il y a beaucoup de problèmes là, mais c'est un travail qui mérite en pile temps. Nous rappelons que l'administration Biden là t'est nommé et en vice-président Kamala Harris comme yo responsable pour faire face avec problème immigrants ça, surtout dans triangle que parler que ce soit à partir de Salvador et Mexique avec Guatemala. Nous on Guatemala qui fonce avec Mexique et au fois que immigrants traversent frontière Guatemala et entrent au Mexique, problème a commencé là et immigrants eux même par l'autre bagaille tête droite pour États-Unis. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe lui-même tourne spécialiste en question immigration, c'est lui qui suit pour nous de très près et crise migratoire ça qui gagne côté Haïti. Impliqué là-dedans, il faut dire que ce n'est pas seulement haïtien qui a cherché à entrer aux États-Unis, il y a des Salvador, il y a des Honduras et dans plusieurs autres côtés dans l'Amérique latine. Solidarité avec mon grand studio, plusieurs organisations dans la vallée Latibonite mettent tête ensemble pour porter aide à quelques familles dans la ville Okaï qui située dans le sud-ouest pays. Après passage, tremblement de terre magnitude 7.2 qui était souqué Haïti. Jour qui était samedi, 14 août 2021, plus passé 2000 monde ont perdu la vie à Kyoban Lot. T'es arrivé blessé gravement grave des milliers de monde sans abri. Giliano Saint-Facile, yon responsable organisation sa yo, a poté plus de détails. Dans le cadre de solidarité, moun la Tibonite, ak moun nan sud des victimes, dans le tremblement de terre, 14 d'août passé, il y a plusieurs organisations au niveau du département, tant pour la caille, Moureline, bloc politique, chimé éclairé, tant pour parler, table conservation pour la vie. Il y a un petit vieux abdomen et puis citoyens dans plusieurs communes au niveau du département, citoyens Verret, Saint-Marc, Saint-Germain, Lester, le côté collé, étudiant, pour nous voir qui ça y est, pour regarder là, la suite des victimes, quand nous avons passé. Mais qui ça y est, nous avons regardé là, où est camion de là, je peux aller au niveau de trois départements. Donc il y a 400 bouquets, la voie Pestel. Il y a 300 qui peuvent aller dans la commune de Campérin et il y a 300 qui peuvent aller à l'asile. Et kit alimentaire, ça, c'est produits qui sont déjà des paysans, la Tibonite même. C'est produit, la caille même, dans le voyage de bois. Bien du riz. Bon, c'est question vaccin, je vais toujours parler. Et question mouvement en Afghanistan, nous connaissons conférence. Et G20 qui a fait ce affaire en Afghanistan. Et pas qu'on ait trop de détails, et congrès a censé travailler toujours pour être sûr capable de arriver à une entente parce qu'on a fait de un projet de loi sur l'affaire d'infrastructure que doit approuver pour l'administration, c'est-à-dire que rebâtir Santa Cara les ponts, les routes pas bon et investir dans l'aéroport et puis gagner tout. Pour soins de Timoun, programme santé, pour Timoun et tout. Donc, c'est une question ça, qui est censée, que le Congrès a censé travailler sur lui. Et puis, en Haïti, des ordres toujours. Hier, M. Negame était censé créer problème dans Matissan, comme toujours. Et malgré dit la police gen, en fait une blindé qui était là, mais mon dieu dit que les gens tirent les ça les besoin blindé là ça va que pas blindé ou blindé ou t'es un blindé quand même, mais mon dieu que les t'es grand pile tiré des monde qui blessé etc. Donc monsieur continue à contre les gens et même je dis encore il va sembler que situation li améliorée et des autres ça yo a fait tout bas ça a fait juste dans moment il y a un officiel et replacer l'administration américaine n'a pas sous secrétaire d'État USRA et ZEA tap visité pays pour côté d'ap font voyage côté se rencontre avec dirigeants et peut-être une question que les discuter avec responsable c'est peut-être parler de nécessité et pour élimination gang dans si vous voulez éliminer résoudre le problème insécurité c'est d'abord et commencer par éliminer sous ce problème là on a parlé d'élimination gang yo. Et premier ministre Ariel Henry qui était rencontré avec émissaire là et ben il dit que une question que peut-être que il discute avec elle c'est une assistance
pour PNH là et surtout pour dans sens ça pour aider lui et on sait une assistance d'urgence aux États-Unis à Kabay PNH on rappelle que la police nationale là ou bien Haïti même gagne un embargo aux armes que États-Unis mettait sous lui depuis 1994 des embargo aux armes ça et voilà que monsieur Negame a gagné des armes que police nationale là pas gagné et expliquer c'est une raison que fait et pour un sécuritaire et question toujours à poser comment les armes font entrer alors que le pays a un embargo aux armes sous lui et il y a des armes qui ne peuvent pas entrer. Bon, déjà je parle de cette question ça. Il y a tout et journal dominicain Lissine Diario qui publie un article sur Haïti sur gang yo, fonctionnement gang yo, il dit que cap simé la terre et que ça pose un problème pour eux parce qu'il dit il semblait que en pile haïtien qu'on y a sans chercher visa pour ta prendre refuge ou bien venir habiter en République dominicaine de préférence. Donc il dit ça son problème lié pour yo et alors que dans moment n'a parlé à autorité dominicaine yo et ba un délai 90 jours pour tout haïtien qui pas gain document légal dans pays a pour yo faire mallet yo retourner la caille. Et pendant ce temps, il y a haïtien tout qui peut être pour raison sécurité. Alors, c'est pour une proximité frontalière. Donc, haïtien a cherché une visa pour aller en République dominicaine. Nous parlons, par exemple, au Mexique, il y a une manifestation, une organisation qui est les Peuples sans frontières, a préparé pour le 23 octobre. Où il y a alors manifestation il y a DAP avec en caravane il y a passé dans plusieurs villes mais il y a manifestation la DAP dans Tchabatsoula c'est à partir d'une conférence de presse que débat il y a DAP à partir de Tchabatsoula pour y mettre tête dans puis passer dans plusieurs villes de façon pour sensibiliser et mettre pression sur le gouvernement pour légaliser statut haïtien qui déjà dans pays et qui a fait demande asile pour avoir un permis de travail et puis pour capable être dans le pays à tout. Cependant, d'après un haïtien qui était participé, qui était sorti au Chili, qui sorti et qui était participé dans conférence de presse, là et bien et il dit au même il pas venir créer des ordres, tout ça besoin au contrairement des autorités mexicaines légaliser statut monde qui là yo. Monde qui en dedans qui déjà là yo et puis font manière pour bloquer l'autre yo, pour empêcher l'autre monde qui sous cap vinyo bloquer yo empêcher venir mais nous même qui déjà là font gens avec nous ban nos papiers et nous connaissons jusqu'à présent autorité mexicain yo bon gon simila qui fait déjà des avoir deux avions et ak moun la dans les livres retourner en Haïti et selon même yo militant cap défendre droit immigrant yo et ben il dit que voyer haïtien retourner en Haïti c'est en cours une condamnation à mort parce que je dis que plusieurs bail katouye moun nan gango capable touyel c'est une violence et capable touyel tout et même violence économique capable touyel donc deux types de violence je parler donc capable touyel moun sa donc son condamnation que président mexicain ta bail moun sa si vous retourner mais au contraire pour qu'il soit pas régulariser statut plutôt parce que d'après ça il dit que haïtien pas venir pas des ordres de venir faire ni c'est pas dérangé venir mais c'est au contraire il a besoin vivre en paix mais il a besoin aide donc c'est pour autorité et bah assistance que besoin donc il y a COMA qui c'est commission nationale et pour réfugiés mexicains c'est lui même qui s'est approché voir documents ou bien encore demande que haïtien a fait il y a encore la presse s'est montré une foule monde qui était devant un stade dans Tchabatsoula et qui t'a pas déposé documents et selon toute recherche qui fait il a montré que haïtien représenté et gagné pour année 2021 Mexique a constaté une augmentation de 70% de demande asile la Cali et puis fondant demande ça c'est haïtien que y est donc dit autorité mexicain de faire un gens pour dans qui mesure les cabris problème mexicain en fait son rencontre son bas même qui déjà dans plus différentes rencontres que ce soit dans niveau administration américaine dans rencontre que et secrétaire d'état américain Anthony Blinken de gain avec président et mexicain Manuel Lopez Obrador, c'était un sujet pour la taille de question sécurité tout problème drogue problème trafic drogue mais tout question sécurité a tout été abordé question et frontières ou bien immigrants qui cherchent à entrer dans le pays et administration compté en pile sur Mexique
pour bloquer les immigrants, parce que les immigrants connaissent que c'est vrai, les immigrants ne parviennent pas. Au Mexique, priorité au Mexique, mais c'est aux États-Unis qui c'est l'objectif final. D'ailleurs, même d'après déclaration que le président colombien et Ivan Duque fait mercredi et c'est mardi, une déclaration qu'il fait dans New York, et mais il dit que ni pays, la Colombie, ni Panama, mais il connaît bien propre que immigrants haïtiens se passent à passer. Il va venir pour aider dans le pays, ça c'est un transit qui a fait pour venir aux États-Unis, maintenant, il traverser au Mexique. Et Mexique actuellement, c'est censé lui-même qui vient faire droit, parce que tout immigrant, ça c'est là, il a campé, il a attendu, en attendant de demander asile pour que commence le travail. Il y a pas longtemps, il y a un groupe d'immigrants haïtiens qui a fait une manifestation dans Acuña, et il a fait une manifestation devant l'hôpital, mais la police était bloquée, il a empêché à le faire. Et pour décider pour raison de sécurité, donc, mais il était fait quand même une manifestation silencieuse avec pancarte en main pour demander aux autorités mexicaines d'appliquer la loi Comara, Bayo et documents pour être capable à chercher travail. En même temps, il y a veto pour que les autorités mexicaines ne profitent de la situation ça, pour être déportées la CAIO. Donc, nous, l'autre côté tout, en parlant de Mexique, nous connaissons que. Et hier, on a parlé de ça, autorité immigration et sécurité intérieure, mais il a annoncé réouverture frontière pour novembre, réouverture frontière pour personnel non essentiel, a fait pour et Mexique avec le Canada. Et bien, autorité mexicaine salue décision ça, et décision administration en prend pour permettre que machines ou bien encore permettre que activité frontalière ça va reprendre en attendant l'ouverture. Mais États-Unis posent une condition, faut que tout le monde qui vient traverser frontière après dans la machine ou pas, faut gagner un document qui montre que vous vacciné et cela vous vacciné complètement. Ça veut dire que prendre deux doses vaccin contre et pandémie et COVID-19 là. Et bien, en Haïti, toujours, il y a une réaction qu'on tient à faire sur l'annonce du gouvernement américain fait pour lui désigner l'ancien ambassadeur américain en Haïti, Kenneth Metten, pour le désigner comme chargé d'affaires. Et il y a un peu de monde qui parle, il a été quoi, dégoûté à 50 cop lui-même avec l'ambassadeur sortant, qui s'appelle de Michel Sisson. Il dit c'est même travail à la bine faire et il n'y a pas quoi que qu'elle mette une capable de porter un changement ou de améliorer la situation dans le pays d'Haïti. Et puis il y a un délai qui est fixé par exemple pour le conseil électoral provisoire ou bien pour l'institution que le conseil prévoit qu'il devient représentant dans le conseil électoral provisoire là, puis il y a un représentant. Mais l'institution ça même, il est divisé même sous choix. Il y a qui dit qu'il n'y a pas de représentant. Et dans le conseil électoral provisoire parce que les conditions n'ont pas réuni. Il y a d'autres qui posent des conditions même pour les représentants dans le conseil électoral. Et il y a d'autres qui sont tout simplement d'accord. Il y a une quatrième catégorie qui dit même délai que le gouvernement a pour faire choix aux représentants dans le conseil électoral provisoire de l'air trop petit. Donc il y a une question qui a posé est-ce que les décisions ça le fait que le conseil de secteur qui refusait soit vos représentants qui dit de la trop petit ou bien quelque soit raison que par rien qui dit tout simplement condition par réunion pas là dedans du tout, est-ce que ça pas bail tout et pour le ministre Ariel Henry option pour l'État fait même bagarre que défunt président Jovenel Moïse te fait à l'LT lui-même était désigné et conseil électoral provisoire parle parce que le secteur était refusé à habilité aller lui-même d'y prendre monde qui soutient dans l'autre secteur et il était nommé ça qui était élevé encore une tollé dans la société pendant que je dis pas d'accord et puis qu'on a désigné l'autre monde qui soutient dans l'autre secteur dit non c'est pas ça lié nous pas là-dedans et nous pas reconnaître qu'on a dit que pas reconnaître conseil électoral pour ça est-ce que et premier ministre Henri pas trouvé dans la même situation ça tout dans cas que il t'a choisi lui-même désigné représentant qui pas peut-être qui remplacer l'autre secteur qui parlait vienne faire partie du conseil électoral provisoire. Donc c'est là que débat ça les censés connait assez formation conseil électoral provisoire parce que quelqu'un qui dit pour raison sécurité conditions pas réunies du tout et c'est des entités qui t'a de bon représentant dans le conseil électoral. Donc délai qui était le 13 octobre donc délai ça le passé même si le gouvernement te dit
il était un décision flexible, il était qu'à prolonger le délai pour peut-être on quelques jours encore, pour être à partie concernée, le temps pour le désigner, parce que là, dans la sélection à faire, élection au niveau second degré pour le désigner, mais il y a tout le monde qui embarque tout et qui désire le représentant et tout pour faire partie du conseil électoral. Donc, son dossier n'a pas tant et n'a plus déjà ouvert pour nous voir ça pas le passé. Hier, moi, nous étions contents avec Jacqueline. Ah oui? et bien, c'est ça, il est là. Donc, il était question de sécurité à qui censé. Et clé là. Toujours posé le problème parce que jusqu'à présent, M. Améo, là, il a continué à payer deux domaines. Continuer à problème toujours. Donc, mon sérité, on j'ai l'ouvri, on j'ai fermé. On n'a pas longtemps d'histoire avant, on va en aller. Il y a été un match de football et dans une zone noire, match qui était très intéressant. Donc, pas tellement de grosse surprise, nous avons dit, dans la compétition. Et gagne une pour moi-même, mais pas de grand pile surprise. Donc, États-Unis et remporté, raché, nous avons dit. États-Unis raché en victoire. Et 2 à 1 en Costa Rica, et alors que Costa Rica est surprenant américain, ballon qui s'est et puis Costa Rica est en moins d'une minute, Costa Rica est en Marongol. Donc ça a été surprenant, monsieur, ça a été surprenant un petit peu américain, mais monsieur, je quand même, je vais égaliser, et puis après, je finis égaliser. Donc. Et puis dans la deuxième mi-temps, et Timoya, et alors c'est petit, un ancien footballeur. On a parlé de George Weah et M. Bay, américain, victoire, alors son autogol tout, mais quand même c'est M. qui a fait effort. Donc, américain a remporté victoire 2 à 1. Et puis, il y a Mexique qui calé Salvador 2 à 0. Et puis, il y a Canada, mes amis. Canada dans ses sous équipe Panama. Nous connaissons l'autre jour, Panama te font boucher là, te font bon sorti. Et puis, il y a Canada calé Panama 4 à 1. Et puis, il y a Jamaïque lui-même. Nous rappelons que Jamaïque était la dernière. Et bien, c'est peut-être surprise dans le cas de dit. Et bien, Jamaïque, Calais, Honduras, 2 à 0. Donc, dans le classement général là, pas de changement vraiment. Et c'était une équipe qui démarquait Koyo Konya. Il y a une équipe Mexique là qui toujours a dominé et octagonal final là, avec 14 points. Donc, rien pour qu'on joue. Personne ne peut pas dire qu'il s'est qualifié. Rappelez que la Coupe du Monde là, l'a déroulé là, tout le monde a déroulé là. Donc, qu'on a tout le monde à chercher à assurer au place pour au moins être ouais, si capable de qualifier jeune un ticket pour la phase finale. Là. Donc, nous avons Mexique là, 100 points avec 14 points. Et puis, il y a États-Unis qui derrière Mexique avec 11 points. Donc, ça veut dire que là, on a qui balance là un petit peu. Et Canada qui est censé jusqu'à présent et beaucoup perdu. Canada qui là. Mais Canada a gagné 10 points, donc il est des États-Unis. Nous rappelons que Canada, c'est l'équipe ça, qui a éliminé et Haïti. Et donc, les Kembe là pour montrer qu'il était mérité côté l'IA. Mais Canada a gagné 10 points et puis il y a Panama qui a perdu parce que nous rappelons que Panama a tombé devant Canada. Donc, Panama est hérité avec 8 points. Donc, les cas, c'est en 4e position. Et puis, il y a Costa Rica, Los Chicos, et gardien Costa Rica, vous diable, ma nègre là, M. Ponzo Boy, et Navas, M. Ponzo Boy, M. Kite Macha, et c'est comme ça que, et m'a dit parce que M. Kite Macha qui fait Costa Rica a perdu, non, mais quand même, c'est un guatou, l'on perd un gardien de classe, l'on gardien de classe qui Ponzo Boy qui perd du Macha, donc n'a qui monte à, et les pattes qui me comparent, donc ça n'a pas marché pour Costa Rica. Donc Costa Rica classé en 5e position avec 6 points. Ensuite, nous venons de Jamaïque avec Salvador et toutes les équipes. Ils ont cessé de partager et 6e place là, ou bien 6e place là avec 5 points chaque. Et puis, il y a Honduras qui est dans la camionnette là avec 3 points. Alors que nous connaissons que Honduras, sous ta côté pays dans la région, et comme pays qui côté. Pour capable faire confiance, on pas quoi que nous tap mettre Honduras là. Mais comment est-ce qu'on finit jouer toujours? Ça parle dépendre de Bayou Kawab Chavi à n'importe quel moment. Je dis à Abgui match toujours dans Comebol, c'est dans l'Amérique du Sud là, parce qu'Abgui rencontre. Et d'abord, nous connaissons Francis Brésilio, nous sommes bien contents. Bayou Brésilio a rencontré avec Uruguay. Rappelez que pas aucun cadeau dans la zone ça, tout équipe a fait effort par eux.
pour y être sûr capable d'un ticket pour phase finale Coupe du Monde là. Il y a Chili lui-même qui a rencontré avec Venezuela et puis il y a Colombie lui-même qui a joué avec Équateur et puis Argentine, Pérou et puis il y a Bolivie qui a joué contre Paraguay. Donc de même elle m'a dit m'avoir dit nous qui en situation hier dans groupe Comebol là et bien qui a joué dans avoir qui en classement général là les censé et y est pour connait là. Voilà, c'était ça me pour nous aujourd'hui à là. Et pour ça qui est et football dans football donc on salue tous les amis qui monté qui pat là dans commencement mais qui monté et les amis voyez étoile les amis voyez mettre coller des mains ensemble comme ça nous le dit les amis qui saluent nous donc tout le monde ça nous les amis qui dans Côte d'Ivoire les amis qui Brésil les amis qui dans Bahamas les amis qui dans Haïti même je sais pas parler les amis qui dans New York Miami puis tout le monde qui dans North Miami yo et nous dit tout le monde gros merci pour petit moment ça nous passe ensemble non? Et puis restez branchés, veillez Jacqueline.